Salut, c'est Megadriver16 sur le jeu Tour de France 2023 et en ce lundi 3 juillet, rendez-vous pour la troisième étape de ce Tour de France en temps réel avec DSM, direction Bayonne. On retourne en France, 184 km promises aux sprinteurs potentiellement. Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. On a les moyens pour participer à l'emballage final et rentrer dans le top 5. Ne faites pas de complexe. Bonne étape les gars. Allez, allez. Ah, top 5 avec Wellsford est envisageable, dis donc, c'est ambitieux pour un sprinter bronze, mais pourquoi pas. Je regarde un petit peu ce qui nous attend après. On aura Nogaro, une étape de plat demain mardi. La Reims, ah ouais, là c'est moyenne montagne. Hein. Ça, ce sera pour mercredi. Jeudi, étape de haute montagne, Cotteret, Camp Basque. D'accord. Est-ce que je demanderai encore ou pas à Hamilton, hein, qui fait un très beau, joli de début de tour avec la DSM, puisque actuellement porteur du maillot à poids et premier à la combativité, il a fait 2 jours, 2 échappées. Est-ce que je lui demanderai de partir encore, puis se préserver demain, puis essayer de repartir pour l'étape de moyenne montagne? Ça peut être envisageable. Là, je pense qu'au général, à part être vigilant avec Romain Bardet, il n'y a pas grand-chose à craindre. De cette étape, ni de celle de demain d'ailleurs. Donc, ouais, on va voir en fonction des états de forme ce qu'on peut envisager. Après, on a Degenkolb qui pourrait être bien sur les échappées de ce type, avec principalement du plat, mais il a chuté. Il est toujours blessé, on le voit, il a une petite icône jaune de chute à côté de son nom. Donc, pas évident de savoir comment on va faire le truc. Oh, il est encore en excellent état de forme, Hamilton, hein, ça donne envie de l'utiliser. Degenkolb, ah, son icône est verte maintenant de la chute, mais il l'a toujours, elle est toujours présente. Hein. Donc il doit être, il y a des barres d'endurance ou d'attaque ou je ne sais quoi où il pourra pas aller au max. Hein. Bah écoutez, Hamilton... on dit jamais 203, pourquoi pas. Ah ouais, bah, je suis bête, je vais pas donner le titre d'échappée, mais bon. Il a le titre maillot à poids, donc enfin le rôle. Place aujourd'hui à la plaine, avec une première opportunité de victoire pour les purs sprinters. Allez, dès le début, comme à son habitude. Aujourd'hui les gars, ça devrait être une arrivée au sprint massif. Par ceux qui veulent marquer des points de la montagne ou jouer la combativité, il y a peu d'intérêt à prendre l'échappée. Bonne étape. Bah écoutez, il dit à part ceux, mais Hamilton il en fait partie, hein, de ceux qui veulent prendre l'échappée et éventuellement marquer des points de montagne. Bon, pour le moment il est tout seul. Dès le début, n'oublions pas, Wehrmark, tu protèges ton leader Romain Bardet. Okay, je vais le protéger. On profite de cette nouveauté du dossard du super combatif. Chaque fois j'ai une petite pointe d'humour quand je dis nouveauté parce que cette année j'ai trouvé vraiment le jeu très pauvre en termes de nouveautés. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Que ce soit gameplay ou contenu. Et donc quand on voit dans les nouveautés au niveau des fiches marketing, introduction du dossard jaune pour la meilleure équipe et dossard du super combatif. J'espère que tu vas recevoir du renfort. Ça fait un peu léger. Mais bon, là on l'a, on le porte, c'est parfait. On va se permettre d'accélérer un petit peu, non? Qui va venir nous rejoindre là? Ah, Renard. Mais il est toujours à 1 minute et quelques, hein, ils sont 3. Le parcours n'est pas vraiment favorable à une échappée en solitaire. Par contre, là, je trouve qu'il va pas assez vite. Si on voulait être plus performant pour... enfin... Si on veut essayer de s'assurer le passage de ce grimpeur catégorie 3 en tête, peut-être ne pas les laisser revenir. Ah là, on va arriver à 5 km. Est au pied de la première difficulté du jour, le col de Trabacoa. Parce que là, quand je le laisse y aller tout seul... Il y aura 2 et 1 point pour le classement de la montagne. Il se met vraiment en mode économie d'énergie. Bon, je pourrais lui donner l'ordre de rouler assez fort hein, d'un autre côté. Est-ce qu'on les voit derrière? 30 secondes, il devrait pas être loin. Oui, j'ai cru les entreapercevoir. Voilà, on est parti sur cette stratégie. Je vais rester en manuel là. Essayer de passer ce col d'entre kilomètre 5 en tête tout seul. D'ailleurs, voilà, j'avais plus affiché le truc. Est-ce que ça passe là, 3 km au niveau du bleu? Si on reste sur ce rythme, ils ne rejoindront pas. Si on lève le pied, ils peuvent nous rejoindre. Si je peux passer en tête sans combattre, enfin sans combattre, façon de parler, je prends. Voilà, là on va peut-être pas avoir assez de bleu. 2 km, on se calme un peu. Ils sont à 1 minute, ils continuent à perdre du temps. J'ai l'impression que la foule fait pas beaucoup de bruit quand même, vu le nombre qu'ils sont. Voilà, on peut se remettre en mode... allez, non, je galère avec la manette parce qu'il y a un changement quand même notoire au niveau du régulateur de vitesse. Maintenant, c'est plus la gâchette haute-gauche, c'est le bouton X, en tout cas sur Xbox. Donc on va passer tranquillement en tête de celui-là, les attendre ensuite et puis dérouler, hein, accélérer parce que y a une étape un petit peu de transition là. Hein. Allez, 2 points de plus pour Hamilton. Ça lui fait passer à 20, je crois. Le dernier classement montagne. C'est bien. Continue comme ça, tu confortes ton maillot à poids. Et donc on va les attendre. Alors je crois que maintenant on peut plus poser pied à terre. Si je lâche totalement, l'accélérateur. Vous voyez, il roule quand même. Il n'y a plus la possibilité de mettre pied à terre, sauf si on freine totalement peut-être. Ah non, regardez, il met plus pied à terre. Si les bosses sont courtes, il passe plutôt bien. Par contre, les cols ne sont vraiment pas son fort. Aïe, quel abruti je suis. Attendez, c'est 3 de la même équipe ou quoi? Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une... Échappée de loin. Non, c'est peut-être 3 d'équipes différentes, mais tous ils ont une sorte de maillot... rouge hein, avec eux. Ah, attendez, c'est qui? Cofidis, Trek Segafredo et Arkea. D'accord, c'est pour ça que ce sont bien 3 équipes différentes, mais les maillots, se ressemblent quand même un petit peu de dos, là, comme ça. Un petit col de catégorie 4, tiens, on va tenter. La prochaine bosse est classée en 4e catégorie. Il y aura donc 1 point marqué pour le coureur qui passera en tête au sommet. Alors, comment ils vont la jouer? Est-ce qu'on peut être le plus explosif? Est-ce qu'on peut être le plus fort là-dessus? Là, c'est pas trop violent d'ailleurs. Hein. Le profil, c'est du bleu. Ah non, il aurait fallu que je parte de plus loin en fait. Voilà le classement du dernier grimpeur. Bon ben là on a une grande portion à faire sans qu'il y ait grand intérêt. Par contre lui il a oublié de protéger Bardet. On œuvre toujours pour la combativité d'Hamilton. C'est le mieux placé pour le maillot vert. Col catégorie 3 qui arrive, j'aimerais bien pouvoir en faire partie. Attendez, mais c'est sûr. Tu devrais rentrer si le rythme se calme. Chute à l'arrière, d'accord. On n'est pas concerné apparemment. Dans notre équipe, il y a toujours 6 minutes, là c'est pas mal. Hein. Enfin, un petit peu moins maintenant. On longe les côtes basques. Il y aura 2 points et 1 point pour le classement de la montagne au sommet de la prochaine difficulté. Allez, on prend la main ici. Tiens. Il y a quoi derrière? C'est bientôt le ravito. Hein. Vous êtes à 2 km du grimpeur. Et on reprend du rouge, on a fait une petite attaque à contre-temps. On récupère notre rouge. Et on remet ça. Oh merde! Ouf, on est passé juste. C'est bien. Continue comme ça, tu concentres ton maillot à poids. Oh ouais, là, on a 2 clients là quand même. Hein. Kuklinmi et Kirsch. Renard a perdu un peu de temps. Alors, oui, des ravitaux, les ravitaux. Hop. Ça marche, le ravitaille. Ah, parce que lui, il est en échappé, il lui faut son ravito. Et le classement maillot vert arrive dans pas longtemps. À traverser la zone du ravitaillement. Alors on va voir... Oh, je lui avais pas donné son rôle, si. Il a son rôle de prédéfini, ça c'est bien. L'occasion pour eux de récupérer de classement maillot vert. S'alimenter en vue de la deuxième partie de l'étape. Est-ce qu'on peut réussir à venir se replacer avec notre sprinter? Est-ce qu'on aura suffisamment de kilomètres pour le faire? 4,2 km, ouais, c'est pas mal. Il y va sans protection, hein, en électron libre. Notre sprinter, l'équipe est plus orientée sur la protection de Bardet, bien sûr. Oh, qu'est-ce qu'ils font, eux? Ah, Girmay, tiens, il est là. Très bon sprinter aussi, hein. Ben, il est envoyé par Tennyson d'ailleurs, hein, Tennyson. Oh, ça avance vite là. Jacobsen. Girmay, ou Girmay, je sais plus comment prononcer, Wellsford qui fait 3ème de ce sprint intermédiaire peloton derrière Pedersen, enfin devant Pedersen, Christophe Cabendi, je m'en très bien. Allez, parfait, sauf que lui, il veut définitivement pas garder l'ordre que je lui ai donné. Tes compagnons d'échappée ont l'air de vouloir accélérer le rythme. Le prochain Grand Prix de la montagne est classé en 3e catégorie. Seuls les 2 premiers coureurs au sommet marqueront des points pour le classement de la montagne. C'est encore une arrivée pas très dure finalement, puisque la pente est bleue, hein, dans les derniers mètres. Attendez, je m'emballe pas un peu là, j'ai été un petit peu loin dans mon accélération rapide. Là, ça fait mal ici. 2 km du grimpeur. Renard qui est toujours là pour la Cofidis, même si on a vu qu'il était un petit peu en dedans tout à l'heure pour aller disputer le grimpeur. C'est plutôt les 2 autres là, dans Kirsch. Allez, on prend les virages les plus serrés possibles. Là, il va y en avoir un autre. Est-ce que c'est là qu'on lance notre offensive ou pas? Peut-être un peu tôt, hein. Tout à l'heure on a vu qu'il nous manquait un petit peu de... Ouais, peut-être que j'aurais pu quand même essayer de les surprendre ici. Ah, il va lui manquer du rouge, les boules. On a un petit peu bloqué Kirsch. Attendons de voir ce que décident les commissaires de course. Bon, bah allez, là, il n'y a plus grand intérêt. On lui met ne pas collaborer. Ça me va bien. Il va récupérer du bleu. On va peut-être lui donner d'ailleurs son bleu. Ah, parce que là, il n'y a plus grand-chose jusqu'à la fin. Je déconne, c'est pour réveiller le mécano. Alors pour cette première étape qui arrive en France, bientôt les 50 derniers kilomètres, sans quasiment de difficulté. Est-ce qu'on lui demanderait pas de collaborer, parce que j'ai peur qu'ils essayent de nous larguer assez vite là sinon. On a fait quand même du bon job là, on a marqué quelques points grimpeurs. Pour son maillot, donc on doit être à 21 maintenant, je crois. Mais tout va être potentiellement rebattu au niveau du maillot à pois avec les étapes des Pyrénées là, qui arrivent très vite. Sur les routes françaises, les premiers traversent actuellement la localité d'Andaï. Il reste moins de 50 km. Allez, du tourisme un petit peu. On est à Andaï. On vient donc de traverser la frontière. Retour en France pour... Enfin, retour. Arrivé en France pour le Tour de France. Bon, pour le moment, il n'y a pas trop d'attaque à 40 km là, à peu près. Le peloton a une 30 de retard sur vous. Ah ouais, ils reviennent fort là. T'es le mieux placé au général. Ah non, ça y est. Ils tentent quelque chose là, les gars. Donc là, c'était à 30 km de l'arrivée, ouais, c'est à noter quand même. On lui fait prendre son rouge. Oh bah ben non, il y en a un qui est reparti, la Kirsch. On prend le rouge, mais vous voyez, ça fait pas beaucoup d'effet, je trouve. Hein. Allez, essayons de le rattraper pour... 1 minute 30 de retard pour continuer à jouer la combativité. Là, pour le moment, ici, hein, il faut savoir que dans le jeu, la combativité, c'est calculé par rapport au nombre de kilomètres qu'on fait devant, c'est-à-dire en étant le premier groupe d'échappés, et pas le deuxième comme on est là. On dirait que l'échappée en a gardé sous la pédale. Elle arrive encore à creuser l'écart. Donc là, il a pris son bleu, c'est très bien, on rejoint le premier groupe. Là, à partir de maintenant, c'est comptabilisé, les kilomètres qu'on fait. Donc très bien. Il aura tout donné hein, pendant ces 3 jours, notre ami Hamilton. Et puis là, de toute façon, c'est pour les sprinteurs maintenant. Ouais, ce col de catégorie 4, on va jamais le passer en tête. Attendez, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un lag là. Et si on se met dans la roue, là je suis en mode suivre Kuklinmi. On n'a rien en bleu, hein. Je crois qu'on va pas pouvoir jouer le truc. D'ailleurs, ils affichent un profil ou pas? Non. Il doit être très très faible comme col. Alors maintenant, il affiche pas là? Non, toujours pas. On n'a rien à donner en accélération ou en bleu même. Donc en rouge ou en bleu, on est très très limité pour pouvoir jouer quoi que ce soit là. Hein, dans ce sprint grimpeur. Vous êtes à 2 km du grimpeur. Peut-être qu'eux sont très fatigués aussi, hein, faut voir. Oh là là, ça anticipe. Renard, non? Et voici le dernier classement de la montagne avant l'arrivée. Il y aura un point en jeu dans la course au maillot à pois. Oh regardez, ça passe. Oh ça passe. T'as remporté le dernier classement montagne. Ah il a été au bout du coup. Continue comme ça, tu concentres ton maillot à poids. Bon, il peut relâcher l'affaire là maintenant. Les hommes de tête ont encore... Il peut relâcher l'affaire, on va prendre la main avec notre... Oh, dis donc, il est mal notre sprinter. Ah, j'avais pas vu ça. La ressource, ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. Il faut lui mettre une protection. Degenkolb, tu vas t'en occuper, ou alors Degenkolb joue le sprint, mais... Putain, je sais pas là. Ah merde, je pensais pas que mon sprinter... Ouais. C'est un peu dur pour lui aujourd'hui. Bon, attendez, il faut qu'il prenne son ravito. Ça marche, je me ravitaille. Regardez, il a rien repris. Ah, il coince. Il coince Wellsford, alors ça, c'est pas bon, ça. Bon, ben, on va jouer avec Degenkolb qui n'a pas grand-chose. Hein. Vous voyez, il peut pas aller très très vite. Il a, à cause de sa blessure, de la chute... 30 secondes d'avance pour la tête de course. Bon, alors, tout le monde va prendre son bleu. Hein. D'accord, on se ravitaille. Et Degenkolb, bah, tu peux arrêter de protéger. On le met en normal. John, l'expérimenté, malheureusement, avec sa chute. Général, tout va donc se jouer dans le final. Encore 10 km pour le peloton. Wellsford, il est là, mais il n'a plus rien. Bon, allez, à 7 km, je pense que c'est pas mal de prendre la main manuellement avec John. Et puis essayer d'aller se replacer. Les gros bras du sprint, bah Jacobsen, là, on vient d'en voir un. Ils sont bien là. Van der Poel, il est là pour... bah, lui, il roule pour son coéquipier, hein, pour Pedersen, je crois. Ou Philipsen. Voilà, pour le peloton, il reste encore 5 km. Allez, là, on reste un petit peu protégé. Bah, on profite un peu des trains des autres sprinteurs. 4,5 km, on ne peut pas espérer grand-chose, hein, faut bien l'avouer quand même, avec... en plus la limite là de John. À moins qu'il tente un truc de loin. Ouais, non. D'un autre côté, c'est le seul moyen, je pense, pour faire un résultat, mais là, c'est pas assez sinueux. Il reste 3 km pour le peloton. Le sprint est inévitable. Là, non, la courbe, elle n'est pas assez sinueuse. Oh, ça roule fort, Sénéchal, là, qui roule. On prend notre rouge. La flamme rouge est franchie. Le sprint va être lancé. Là, ça déborde sur les côtés. Ouais, on était trop court. Bien sûr, trop court. Alors, Hamilton, il a mis du temps à arriver. J'ai eu peur à un moment que ce soit Bardet. Quoi. Bardet, bien évidemment, à espérer qu'il soit dans le bon groupe. Il n'y a pas de raison. Et on regarde ce résultat de sprint. Alors ça se joue devant, hein, clairement, ils nous ont débordé sur les côtés, en plus ils pouvaient pas aller au max Degenkolb de sa puissance, déjà qu'il fait pas partie du gratin du sprint. Alors c'est qui là? Ah oui, oui, c'est côté Alpecin que ça se joue, oui, que ça va gagner d'ailleurs. Hein. Oh oui, et puis il y a du... Woodernard peut-être, tout à gauche à Girmay. Il y avait Caleb Ewan aussi, hein, dans le coin. Bon. Alors, on retiendra principalement la performance d'Hamilton, hein, aujourd'hui. Victoire pour Alpecin, donc c'est Philipsen ou Pedersen, là, je me rappelle jamais. Philipsen. Philipsen, en route pour le maillot vert. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Tadej Pogačar toujours en jaune. Le maillot jaune de ce Tour de France. Tadej Pogačar. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Il prend le maillot vert. Hein. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Alpecin de Cameroun. Ça, c'est toujours chez nous. Merci à Mittal de montrer le maillot. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Hamilton. Il joue les tout premiers rôles cette année. Et maillot blanc, bien sûr, Tadej Pogačar. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Bon, et eh ben voilà. C'était une étape où on aurait pu se mettre en évidence et on finit même pas parmi les 10 premiers. C'est dommage, dommage. On conserve le maillot à poids, tout n'est pas négatif. Mais oui, c'est vrai qu'il a envisagé une victoire, pas une victoire, un top 5 envisageable avec Wellsford, mais Wellsford, il a montré ses limites, là, il était à la rue, il avait plus de bleu, les bosses, pourtant, il n'y avait pas tant que ça, hein, une dans le final, hein. C'est peut-être aussi le fait de jouer en légende hein, qui fait ça, mais là, Wellsford, il pouvait pas, hein, il pouvait vraiment pas, il termine même avec Hamilton à 1,56, quoi, donc Dylan aussi a terminé à 59, mais il y a beaucoup de gens qui ont terminé loin ou quoi? Non. Non, je regarde là, à partir de la 120e place à peu près, donc non. Bon, et eh bien écoutez, ça nous donne... ouais, je voulais regarder vite fait. Philipsen, ah ben Pedersen, deuxième. Caleb Ewan, Christophe, Haller, Wout van Aert, Mozzato, Cavendish, Girmay, Matteo Trentin, Jacobsen. Jacobsen, il s'est raté là. Vintergaard, Bardet bien dans le bon groupe, Pogačar pas loin de Vintergaard, Mas on l'a vu aussi sprinter. Bon, ça donne quoi au général? Pas de changement, hein, j'imagine. Pogačar devant Pitcock, devant Wout van Aert, devant Bardet, devant Martinez, voilà pour le top 5. Sur le grimpeur, eh ben on augmente... Ah ben oui, on est à 24, pourquoi je disais 21 moi? Bon, bref, j'avais mal calculé, mais on est bien, hein. Regardez, on a de beaux points d'avance. Philipsen qui prend la tête du maillot vert. Maillot blanc, on a vu. Ineos Grenadier, toujours meilleure équipe. Et Hamilton qui fait plaisir, en plus du maillot à poids. Il a 500 km d'échappée dans les pattes. 3 étapes, 3 échappées, c'est beau. Demain, il va un peu se reposer quand même, hein. Et justement, je vous donne rendez-vous demain mardi pour la suite de ce tour en temps réel.